La semaine, non, pas la semaine dernière, la semaine d'avant, on a développé un peu la pensée de Babel. Et aujourd'hui, non pas que ça soit une suite, mais on va trouver un lien avec ce qui a été dit ce jour-là. On avait parlé notamment que les hommes avaient fabriqué des briques avec de l'argile. Ils avaient utilisé l'argile également pour faire du mortier, pour se bâtir une tour et une ville. L'inverse de Jérusalem qui, elle, avait été bâtie avec des pierres, en pierre sèche, et avec la sagesse et la connaissance de Dieu. Les briques, je discutais de ce sujet avec notre frère Frédéric Gabel ces derniers temps, et il m'a fait voir une réalité extrêmement importante. Il me dit, mais en fait, ils ont bâti toute cette ville, toute cette tour, ils ont fait des briques avec la nourriture du serpent. Ce qui est tout à fait juste parce que Dieu avait dit au serpent, puisque tu as fait ces choses, donc séduire la femme, tu marcheras sur ton ventre et tu auras la poussière du sol comme nourriture. Et donc les hommes, en bâtissant une tour qui était de l'idolâtrie, on a vu que Babylone était fondée sur le culte des démons, qu'est-ce qu'ils faisaient en fait? Ils nourrissaient le serpent. Adorer des démons, adorer d'autres dieux, c'est nourrir Satan. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que concrètement la nourriture de Satan? La nourriture de Satan, c'est d'être adoré à la place de Dieu. Quand il a tenté Jésus dans le désert, il lui a dit, je te donnerai tous ces royaumes de la terre qui m'ont été confiés par Dieu, c'est-à-dire que j'ai autorité sur les nations parce que c'est un jugement de Dieu. Eh bien, puisque j'ai autorité sur ces nations-là, je te les donne si tu m'adores. En d'autres termes, Satan disait à Jésus, ce qui te revient de droit, c'est-à-dire le règne sur la terre, en tant que Messie, moi je vais te l'offrir. Mais je vais te l'offrir sans que tu passes par le sacrifice, sans que tu passes par la croix, sans que tu passes par la souffrance. Tu comprends? Je vais te le donner, moi. Mais tu fais de moi un Dieu. Tu fais de moi le Dieu. Tu rejettes le Créateur. Et je te donnerai ce qui te revient de droit. Pas de problème. Tu veux la terre, je te la donne. Moi, ce que je veux, c'est être adoré. Et c'est toujours la même chose. Satan veut toujours être adoré. C'est sa nourriture. Et quand les hommes bâtissent une religion selon, entre guillemets, leurs pensées, mais qui les anime? C'est là qu'il faudrait se poser la question. Notre chair, quand nous vivons par la chair, nous vivons selon la semence de l'ennemi, de Satan, dans la femme. Alors, nous adorons, nous agissons selon notre père, Satan. L'humanité a été engendrée dans le péché. Son père spirituel, c'est Satan. Son créateur, c'est Dieu, mais il a choisi Satan. Donc, de ce fait, nous sommes enfants de Satan. C'est pour ça que Jésus pouvait dire à des religieux qui voulaient faire excuse-moi, une religion selon leur pensée, selon leur cœur et selon la pensée de leur chair, il dit, vous êtes une race de vipères, race du serpent. Vous adorez votre père qui est un menteur. Et donc, Babylone est une institution humaine faite pour adorer Satan. Et quand nous retrouvons la grande Babylone, c'est quoi? C'est le dragon ancien qui veut être adoré par l'humanité. C'est toujours la même chose. En fin de compte, l'histoire de l'humanité est très simple. C'est toujours ce combat entre adorer Dieu ou adorer Satan. Alors évidemment, les époques changent, les décors changent, les technologies des hommes changent et tout ça, et on a l'impression que l'histoire de l'humanité est très complexe avec les histoires de guerre, d'influence et tout ça. C'est toujours le même combat. Soit nous choisissons Dieu, soit nous choisissons Satan. Soit nous adorons notre Créateur, soit nous adorons notre Père qui a usurpé l'autorité de Dieu. C'est ça l'histoire de l'humanité. Elle se résume de manière très simple. Et tout ce que l'humanité a vécu dans ces laps de temps-là ne sont que les conséquences de ce combat spirituel qui est de choisir Dieu ou Satan. C'est tout.
Et on avait trouvé aussi qu'il y avait un lien entre Babylone, Nimrod et l'Égypte et Pharaon. Parce que si les hommes fabriquaient des briques pour se faire une religion à leur image et selon leur pensée, par la séduction de Nimrod, par le charisme de Nimrod et par l'aura de Nimrod, a contrario, le peuple de Dieu qui était soumis au joug égyptien était obligé par Pharaon de fabriquer des briques. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que Nimrod c'était par la séduction, le Pharaon c'était par la dictature, mais c'était toujours le même résultat, faites des briques. Nous voulons réaliser une œuvre pour adorer notre père Satan. Et l'Égypte a apporté le comble, j'ai envie de dire, au péché de Nimrod, qui était de faire que le peuple choisi soit mis sous le joug de son Dieu, qui était Satan. Parce qu'on va me dire, oui, mais l'Égypte avait plusieurs dieux. Oui, mais il y a plusieurs démons aussi. La Babylone, c'était Babyline, c'est-à-dire la porte des dieux. Donc, que ce soit tel ou tel démon, tel ou tel autre, peu importe, c'est toujours le même dieu qui est de même dieu avec un petit dé qui est adoré, c'est Satan. Et donc, l'Égypte avait mis sous son joug le peuple de Dieu, le peuple choisi, le peuple élu. Et ce peuple était mis sous un joug, donc démontrant que pendant la patience de Dieu, le juste peut être soumis au méchant jusqu'à ce que les peuples iniques aient mis le comble à leur péché. Et ça, ça paraît injuste. On en a déjà parlé il y a quelque temps. C'est que un peuple choisi, un peuple de Dieu, un peuple élu, un peuple à qui Dieu s'est révélé, qui a accepté de suivre l'Éternel, soit lui soumis aux méchants parce que Dieu veut faire grâce aux méchants. Et ça, c'est le lot de tout véritable enfant de Dieu. Il va être soumis aux méchants. Aujourd'hui, on a des lois qui sont iniques, nous y sommes soumises. En quelque sorte, c'est ce que je disais la semaine dernière, on est obligé de faire des briques. On n'a pas le choix, c'est la loi, c'est comme ça. Sauf qu'on n'est pas obligé d'en faire plus. On n'est pas obligé d'adhérer à ce monde. On n'est pas obligé d'adhérer à Babylone. On peut très bien en sortir spirituellement, en sortir dans une certaine mesure physiquement aussi. On n'est pas obligé de participer à son péché. On n'est pas obligé de participer à sa pensée. On n'est pas obligé de participer à ses idées. On n'est pas obligé de participer à ses doctrines, à ses dogmes. On peut très bien, dans le laps de liberté restreint qui nous est donné, faire de cet espace de liberté un endroit où seul Dieu est maître et roi. Mais si nous acceptons la totalité de Babylone parce que c'est comme ça, puis on ne peut pas faire autrement, puis quelque part on aime bien recevoir la viande de Babylone, on aime bien recevoir le vin de Babylone, on aime bien profiter des plaisirs de Babylone, alors là on en fait notre ami. C'est ce que je disais la semaine dernière, si on nous oblige à faire 10 briques, on n'est pas obligé d'en faire 12. Ça, c'est en faire 12, c'est en faire plus. Oh ben moi, je me trouve très bien là. On peut très bien se trouver très bien à Babylone, comme une grande partie du peuple du temps de Néhémie. On peut trouver très bien. Mais il y a un danger pour le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, on va prendre la continuité. Donc vous savez que donc, Babylone, c'était 300 ans grosso modo après le déluge. Et là, on va arriver au point où Dieu s'est révélé à Abraham. Il s'est révélé à Yitzhak et il s'est révélé à Jacob. Et Jacob arrive en Égypte par le truchement de Joseph, qui lui avait été vendu par ses frères. Il y a eu un temps où l'Égypte a ouvert ses portes grandes au peuple d'Israël pour le délivrer de la famine. Et un autre pharaon est apparu, le premier étant mort. Et celui-ci s'est dit, oh, attention, si ce peuple grandit encore, il peut très bien former une très grande armée dans notre sein, dans le sein même de notre empire, et se retourner contre nous. Alors nous allons le mettre sous un joug. En d'autres termes, c'est quoi? C'est
Nous reconnaissons qu'il est sorti un peuple de Babylone qui a choisi de ne pas adorer les démons, de ne pas fabriquer des briques, de ne pas nourrir le serpent. Et ce peuple est béni. Donc, dans un premier temps, on va accepter ce peuple-là. Pas de problème, il est petit. C'est 70 personnes qui sont arrivées en Égypte à l'époque de Jacob. En fait, c'était le même chiffre que le nombre des nations qui sont sorties de Babylone. 70 nations, 70 membres de la famille de Jacob. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que parmi les nations, il y avait une petite nation, une expression de l'ensemble des nations, mais choisie par Dieu. Vous voyez? 70-70. Et de ce fait, Pharaon a accepté que ce petit peuple arrive. Ça posait pas de problème. J'extrapole peut-être, mais peut-être qu'il avait entendu parler de la bénédiction d'Abraham, de Dieu à Abraham, qui avait dit « Celui qui te bénira, je le bénirai. Celui qui te maudira, je le maudirai. » Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Abraham a été en Égypte aussi. Donc, toutes ces connaissances se disaient oralement et se répandaient tout à fait. Donc, allez savoir si Pharaon, à ce moment-là, n'a pas dit « C'est d'Abraham. Je me rappelle que mon arrière-grand-père a connu Abraham et il l'avait béni. » Donc on va bénir le peuple d'Israël. Très bien. Puis ensuite, oui, mais il croit, il grandit ce peuple. Et puis on commence à avoir peur parce que nous, on ne veut pas être assimilés à Israël. On veut bien qu'Israël soit parmi nous. On veut bien que les juifs, que les chrétiens soient parmi nous. Mais il ne faut pas qu'ils prennent le contrôle de notre destinée. Pourquoi? Parce que ça revient à dire que Babylone se détruit. Ça veut dire qu'on se remet sous le joug de l'Éternel. Et ça, nous, on n'en veut pas. Nous, on est les héritiers de Babylone. On est un empire qui est l'héritier de Babylone. Pourquoi? Parce que nous, on fabrique des briques. Nous, on fait notre empire avec des briques. Et alors, si ce peuple-là prend trop d'autorité sur notre pays, sur notre civilisation, alors on est obligé de réagir. Donc, on va les asservir. Et on va les obliger à pratiquer leur culte de telle manière ou de telle autre. Et puis d'épouser nos idées, nos dieux. On va faire une pression sur eux pour qu'ils acceptent la pensée unique que nous mettons en place. Et ça, cette idée-là est caractérisée par le fait que le peuple d'Israël fabriquait des briques. On les oblige à penser comme nous, on les oblige à agir comme nous et on les oblige à parler comme nous. Aujourd'hui, on voit bien que le monde veut mettre son nez dans l'Église, veut dicter sa doctrine à l'Église. L'Église doit accepter ce que le monde lui dicte. On est de plus en plus comme ça. Alors on enjolive ça si, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Alors maintenant, les lois de la République sont au-dessus des lois de Dieu. Non, parce que la République, déjà, n'est pas la France, c'est un régime. Et avant, la France n'était pas que par des régimes républicains. Ils ont connu la royauté, ils ont connu les empires. Ils ont donc la République qui est assez récente. Veut aujourd'hui dicter ses lois à une institution qui est multimillénaire. C'est quand même assez étrange. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où le peuple de Dieu n'enfreint pas des lois qui ne sont pas iniques, j'entends bien, qui respectent les lois, qui respectent les institutions et qui respectent les responsables qui ont été mis à leur tête, il n'y a aucune raison d'imposer à l'Église d'accepter en son sein des choses que Dieu réprouve. On peut parler de l'homosexualité, on peut parler des choses comme ça, où on voudrait aujourd'hui imposer à ce que l'Église accepte ces choses-là en nous traitant de non-conciliants ou de personnes qui sont intolérantes parce qu'on accepte. Mais c'est un péché. Je répète encore une fois, ce n'est pas le pécheur qui est visé, c'est pas la personne homosexuelle. On peut très bien être ami avec quelqu'un qui est homosexuel, on peut très bien connaître quelqu'un qui est homosexuel, mais on ne peut pas accepter le péché d'homosexualité, puisque c'est contraire à la loi de Dieu. Et donc, c'est pas parce qu'on m'imposera cela que je serai obligé de l'accepter, je ne participerai pas à Babylone. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. L'avortement, c'est pareil. La Torah est une Torah de vie, qui défend la vie.
pas qui défend la mort. Aujourd'hui, on voudrait nous imposer avorter donc les plus jeunes, les plus faibles et les plus vieux. Donc, faut tuer les vieux, faut tuer les petits. Mais on vit dans quel monde là? On est dans un monde de fous, dans un monde de fous. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font un culte à Satan. Ça, c'est Moloch. Quand le peuple d'Israël, brûlé par le feu, ses nouveau-nés, au culte à Moloch. Ouais, c'est la même chose, sauf qu'aujourd'hui, ben, c'est en blouse blanche. C'est moins, ça fait moins de bruit. On a enlevé les cris des enfants, puisqu'on les tue dans le sein de leur mère. À l'époque, on faisait du tambour dans la vallée de, dans la vallée de Jisraël. Les prêtres jouaient du tambour très fort pour couvrir les hurlements des enfants qui brûlaient. On l'appelait la vallée des tambours pour cette raison. Donc vous voyez, rien de nouveau sous le soleil. Alors aujourd'hui, on n'allait pas faire des tambours, donc on le tue dans le sein de la mère, on n'entend pas le cri de l'enfant. Bref. Donc ça, c'est faire des briques. Ça, c'est vouer un culte à Satan. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on développe un peu plus sur un aspect qui traite du peuple de Dieu. Le danger que le peuple de Dieu a. Et on va lire pour, comment dire, étayer notre méditation dans le livre de l'Exode au chapitre 32. Et on va lire à partir du verset 1er. Exode chapitre 32, verset 1er. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, Lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Aaron leur dit, Défaites les anneaux qui sont à vos oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous les gens du peuple se défirent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron. Ils reçurent l'or de leurs mains, le façonna avec le burin, ou alors une traduction plus précise, c'est il le fondit, et il fit un veau en métal fondu, ou en fonte. Puis ils dirent, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, Demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Ils offrirent des holocaustes et présentèrent les sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Voilà, c'est là notre lecture. Bon, tout le monde connaît ce passage-là, passage du veau d'or, dit du veau d'or, mais il y a beaucoup de leçons à apprendre. Premièrement, on sait une chose, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte avec la puissance de l'Éternel qui a pratiqué sur le pays d'Égypte les 10 plaies, on sait par le chapitre 12, il me semble, de l'Exode, verset 37-38, qu'une multitude de nations sortit avec Israël. Et il est connu dans le monde juif, et d'ailleurs c'est la traduction exacte de ce terme hébreu, c'est Erev. Rav, et les Erev Rav, c'est le peuple, une multitude de gens. Rav vient de arabe qui est de mélange. Donc il y avait plusieurs nations, il n'y a pas que des Égyptiens, on pense que c'est des Égyptiens. Non, non, en Égypte, il y avait plusieurs nations qui étaient représentées. Il y avait de tout, il y avait des Égyptiens, il y avait des Africains de Numidie, il y avait voilà, plusieurs nations qui étaient représentées en Égypte. Et ces gens-là, ce mélange hétéroclite-là, est sorti avec Israël. Et c'est ça très intéressant parce que déjà là, il y avait cette notion qu'en Israël, les nations allaient être délivrées de Babylone. Donc nous, les nations, nous étions déjà là avec Israël en sortant d'Égypte. On pourrait louer le Seigneur, nous aussi, pour la sortie d'Égypte. Parce qu'on était représentativement avec ce peuple, le fameux Erev-Rav. Sauf que les sages d'Israël disent, vous savez, que ceux qui ont demandé à Aaron de faire le veau, dit d'or, mais vous verrez que ce n'est pas un veau d'or, c'est le fameux Erev Rav, c'est ces populations-là qui lui ont demandé. Et le péché d'Israël, alors Israël en tant que descendant génétiquement, j'ai envie de dire, d'Abraham, ont laissé faire.
Et ça, je veux bien le croire. Parce que ces populations-là, ils étaient habitués à adorer des dieux. C'était par définition des païens. Et vous allez voir que c'est important, parce que c'est pas pour rien que c'était un veau. Parce qu'il y avait un dieu égyptien qui était un veau. Et il s'appelait Apis. Et vous allez voir que, on en parlera un peu plus loin dans la méditation, mais c'est extrêmement intéressant de voir les similitudes qu'il va y avoir là. Mais il faut qu'on développe un peu le premier thème avant. Donc, que demande Aaron au peuple qui lui dit « Fais-nous un dieu parce que Moïse tarde à rentrer. » Ça se trouve, il est mort sur la montagne. Les sages d'Israël enseignent que puisqu'ils ont commencé à compter le nombre de jours quand Moïse quitta le camp, parce qu'il avait dit « Je reviendrai le 40e jour avant midi. » Et comme ils ont commencé à compter au partir du moment où il a quitté le camp, et non pas quand il est arrivé sur la montagne, eh bien Moïse a tardé à leurs yeux. Et il avait dit qu'il rentrerait le 40e jour à midi, or il n'est plus l'heure. Et ils disent que le serpent ancien est venu susurrer à leurs oreilles en disant « Il est mort sur la montagne, ne l'attendez pas. Cet homme-là ne vous a sorti d'Égypte, mais il n'est plus là. Alors adorez Dieu, faites-vous votre Dieu. » Voilà ce que disent les sages d'Israël. Et ça me paraît assez logique quand on voit cet homme qui nous a fait sortir. Cet homme qui nous a fait sortir. Comme si c'était tout d'un coup un inconnu. Moïse qui les a guidés à travers la mer Rouge. Moïse qui les a guidés dans tout ce cheminement-là jusqu'au Sinaï. Moïse qui a dit « Maintenant, je vais aller recevoir la loi de Dieu pour vous. » C'est-à-dire, c'est le signe de l'Alliance. Eh bien, cet homme, Moïse, qui nous a fait sortir. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Hein. Alors nous, on veut un Dieu. Mais on veut un Dieu selon notre pensée. Et Aaron leur dit, bon, très bien, donnez-moi vos boucles d'oreilles. Bon, boucles d'oreilles d'or, ouais, très bien, ils ont des boucles d'oreilles, et alors? Mais non, ça fait partie du butin des Égyptiens. Les Égyptiens leur donnèrent de l'or, de l'argent et des tissus, il nous est dit. Ils vont partir avec un grand butin et de grands troupeaux de petits et de gros bétail. Sauf que c'était de l'or. Et de l'or, c'était leur ornement. Des boucles d'oreilles, c'est l'ornement de la femme, l'ornement de la jeune fille, les ornements. Et la femme est l'ornement de l'homme. En clair, la femme représentait l'œuvre que Dieu avait accomplie pour eux, par son esprit en les délivrant du pays d'Égypte. Et les femmes portaient ça comme un ornement pour elles, et en étant elles-mêmes ornées de l'œuvre de Dieu, elles étaient une parure pour leur mari. D'ailleurs, il y a un texte biblique qui nous dit que la femme est la couronne de l'homme. Il y a certains hommes qui devraient relire ce texte-là, avant de faire que la femme, c'est un sous-être. C'est soi-disant, c'est notre couronne, pas nos chaussures. C'est un autre sujet. Et donc, le peuple était sorti d'Égypte orné de l'œuvre de Dieu, orné de la délivrance de Dieu, orné de la puissance de Dieu, orné de la gloire de Dieu. Et Aaron leur dit, vous voulez un Dieu? Alors il faut que vous me donniez ce que Dieu a fait pour vous. Et je vais vous le rendre réaliste, votre Dieu. Et donc, ils donnèrent leur ornement et ils le fondirent. Et nous, on dit, ils se firent un veau, alors de métal fondu, ou un veau de fonte. Jamais il n'est parlé de veau d'or. Nulle part. Nous, on dit le veau d'or parce qu'ils ont donné de l'or, ils ont fait un veau, mais la Bible ne parle jamais de veau d'or. Jamais. C'est un veau, alors c'est le terme, c'est Agel Masera, qui veut dire veau, Agel Masera, ça veut dire voilé, dans un premier sens, mais qui veut dire aussi d'un métal fondu, un métal vil fondu, ou qui veut dire une libation aux idoles. Ce terme-là veut dire ces trois choses-là en même temps. Alors, on se dit, tiens, c'est quand même bizarre.
Nous, on parle du veau d'or, et la Bible ne parle pas du tout du veau d'or. Vous tapez d'ailleurs dans un moteur de recherche, dans un dictionnaire biblique, veau d'or, il n'y en aura pas. Il n'y a pas de veau d'or. C'est un veau en métal fondu. C'est-à-dire qu'ils ont, par leur pensée, en disant on va façonner un veau, on va façonner un Dieu à notre idée, ils ont avili l'œuvre de Dieu qui a été faite pour eux. D'un métal précieux, ils en ont fait un métal vil. Ils en ont fait d'une œuvre précieuse, ils en ont fait une œuvre profane et vile. C'est la raison pour laquelle il n'est pas écrit de veau d'or. Le veau que vous avez fait, c'est un veau de métal vil. Un veau en fonte, un veau en métal fondu. Et parce que vous l'êtes façonné à votre idée. Mais votre idée, elle parlait de quoi? Alors on va revenir sur le fameux dieu Apis. Apis était un veau, un dieu à tête de veau, alors il avait un corps humain, sauf que dans les premiers temps, c'était exactement la même image que le veau d'Israël. C'était un veau. Et il était le fils de Ptah. Ptah qui était le créateur. Et il avait pour une mère, c'était une génisse, et donc les Égyptiens devaient trouver un veau qui avait des particularités. Alors, il devait être de poils noirs, des poils fourchus. Il devait avoir un triangle delta sur le front dessiné pour être le symbole du dieu Apis. Enfin, il cherchait dans tout le royaume, dans tout l'empire égyptien, un veau qui correspondait à ces critères-là. Et la génisse, il est dit qu'elle était. Elle était ensemencée par l'éclair de Ptah, par la puissance de Ptah. Et quand elle était vénérée, on l'appelait la mère de Dieu. Toute ressemblance avec un culte actuel serait vraiment fortuite, n'est-ce pas? Et c'est un veau d'or, un veau de métal fondu qu'Israël a voulu se faire. Déjà là, le dieu Apis était une représentation du Messie, déviée, dévoilée. On avait parlé de quoi déjà de Babel? Que Babel c'était une ville, une épouse et un Messie, Nimrod. Eh bien, on retrouve cette même pensée en Égypte, avec Apis, le fils du Créateur, la mère de Dieu. Elle a été ensemencée miraculeusement par l'éclair du dieu Ptah. Et elle est vénérée comme étant la mère de Dieu. Il y a une idolâtrie, c'est-à-dire que dans ce qui va se produire dans les années plus tard, les centaines d'années plus tard, avec les naissances du Messie, c'était déjà là, en germe, l'idolâtrie qui aujourd'hui se fait jour, et vous allez comprendre, était déjà en germe là, la mère de Dieu, un Dieu à notre image, un veau, notre Dieu. C'est lui l'Éternel. Nous avons décidé que c'était lui l'Éternel. On n'attend pas que l'Éternel se révèle à nous. Ça ne nous intéresse pas. Moïse va redescendre de la montagne. Arrêtez! Et je pense que la tribu de Lévi était la seule tribu à pas avoir participé à ce péché. Pourquoi? Parce que quand Moïse est descendu et qu'il s'est fâché, qu'il a dit, qui est pour moi et pour l'Éternel? La tribu de Lévi se leva et ils mirent leurs armes à leur ceinture et ils tuèrent tous ceux qui étaient idolâtres. La tribu de Lévi ne s'est pas mélangée avec le reste du peuple. Et elle a été aussi l'instrument du châtiment de Dieu pour Israël. Et ils ne voulaient pas attendre. Et ça se trouve, les Lévites disaient, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Arrêtez! Il nous faut attendre Moïse qui va redescendre pour nous apporter le texte de l'alliance de mariage que l'Éternel va faire avec nous, Israël, en tant que peuple. On ne peut pas nous dire que le Dieu qui nous a sortis d'Égypte, il est issu de nos pensées. Nous devons attendre qu'il se révèle à nous. Non, on ne veut pas.
On ne sait même pas s'il veut se révéler à nous. Alors nous, on va étudier, on va regarder, puis on va dire « Dieu est comme ça ». Et immanquablement, le Erev Rav, c'est-à-dire le peuple mélangé qui s'est associé à Israël pour sortir d'Égypte, ben, ils sont retournés dans ce qu'ils connaissaient, c'est-à-dire dans l'idolâtrie. Logique, logique. Donc on va faire un dieu. Et quand Aaron va expliquer à Moïse, ben écoute, moi le peuple il m'a demandé un dieu, tu revenais pas, or moi je leur ai demandé leur boucle d'oreille, leur ornement, je les ai jetés dans le feu, il en est sorti un veau, comme si, ben, il en est sorti ça, moi j'y suis pour rien. Mais Aaron, t'aurais dû être le premier à te lever contre cette ineptie, contre ce grave péché, cette idolâtrie, t'aurais dû être le premier à dire, mais ça va pas, non? Et toi, t'as participé à ça. Et nous, dans les églises aujourd'hui, on participe à quoi? C'est le Dieu de la révélation que l'on sert, ou c'est le Dieu que nous nous sommes formés? Est-ce que nous sommes repartis à Babylone? Est-ce que c'est le veau Apis que nous adorons? Oh, le Seigneur veut se révéler, il nous demande d'obéir à sa parole. Oh non, 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 ça nous intéresse pas. Moi, vous savez, dans la Bible, j'en prends et j'en laisse parce que, voilà, moi, ma vie, je la veux comme ça. Moi, dans l'Église, on peut prendre des choses du monde, on peut prendre des choses de l'Égypte, hein. C'est pas un problème. L'essentiel, c'est que Dieu soit adoré. Regardez le Dieu que nous sommes faits, le veau d'or, là. Vous voyez, cette grande stèle-là, on l'adore tous les dimanches matin. On vient l'adorer tous les dimanches matin. Et puis on leur dit, mais vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, là. Ah, mais ça, c'était pour les temps anciens, ça. C'est pas pour nous, ça. Ça, c'était pour les chrétiens des premiers siècles. Alors là, je vous raconte pas des cracks, hein, parce que j'ai été moi-même pris dans une discussion avec un frère pasteur qui me défendait cette thèse-là, que les livres des actes, c'était pour les livres des actes. Les églises primitives, ben, c'était les églises primitives, et que tout ça, c'était plus pour nous. Donc, il restait plus que la couverture à sa Bible. Donc, ça commençait à poser un problème, quoi. Donc, c'est pas pour nous, tout ça. On peut se faire le Dieu que l'on veut. L'essentiel, c'est que des gens croient en Dieu. Ah oui, mais croient en quel Dieu? En votre veau d'or? Votre veau de fonte? Ou alors l'Éternel qui se révèle par sa parole? Est-ce que vous êtes prêt à obéir à toute sa parole? Est-ce que vous êtes prêt à reconnaître le Dieu d'Israël comme étant votre Dieu en Jésus-Christ? Ah non, 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 ça c'est pas le peuple d'Israël. Hein. Israël n'a rien à voir là-dedans. Nous, c'est Jésus-Christ. Eh bien, vous allez voir que dans le texte hébraïque, il y a une révélation terrible. Agel Masera veut dire le veau voilé. Agel, c'est pas pour rien. Quelle est la lettre de l'alphabet hébraïque qui représente Dieu? C'est le Aleph. Pourquoi le Aleph? Parce que c'est la première lettre. Sa valeur numérique est de 1 et le Dieu est un Dieu unique. Donc, Aleph est toujours, dans toute la pensée juive, représentative du Dieu créateur, de Dieu l'Éternel. Et le symbole proto-sinaïque du Aleph, c'était une tête de bovin. Tête de bovin. Sauf que là, il nous est parlé d'un bovin, Agel, un veau, masqué, voilé. Agel Masera. En faisant ce péché, le peuple d'Israël s'est mis un voile sur les yeux. C'est-à-dire que, à partir du moment où ils ont accepté ce péché, l'Éternel leur a été voilé. Et toute la révélation du Messie leur a été voilée. Et si nous prenons, on va lire ce texte-là, et c'est très important, dans la deuxième épître aux Corinthiens. L'apôtre Paul dit, donc 2 Corinthiens, on peut lire à partir du verset 12. Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté, liberté en Jésus-Christ. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils se sont endurcis dans leurs pensées, car jusqu'à ce jour,
quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ça c'est encore une mauvaise traduction, des Écritures, ou alors quand ils font la lecture de Moïse, c'est plus juste ça. Le même voile demeure. Il n'est pas enlevé parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui levons le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. L'apôtre Paul est en train de nous faire réaliser là que le voile qui est sur les yeux d'Israël pour ne pas reconnaître le Messie et ne pas comprendre que cette loi là qu'ils allaient recevoir, cette Torah qu'ils allaient recevoir de Moïse, c'était quelque chose qui allait prendre un but, qui allait avoir son but en Jésus-Christ. Mais ils ne peuvent pas le reconnaître parce qu'ils ont accepté le veau d'or. Le voile d'Israël, que l'on connaît tous, on dit qu'Israël ne reconnaît pas le Messie, vient du veau d'or. Et il est dit, Paul plus loin dit, et lorsqu'Israël se convertira au Christ, c'est-à-dire reconnaîtra Jésus comme étant le Messie qu'ils attendaient, alors le voile leur sera ôté, parce qu'en Jésus-Christ, le voile est ôté. Mais c'est la punition de Dieu pour Israël. Ils ont le cœur voilé. Et quand il lit tous les samedis les parachutes de la Torah, qu'ils lisent les prophètes, qu'ils lisent les psaumes, ils vont très loin dans leur connaissance de la Torah. Mais il demeure un voile. C'est terrible. Et souvent, dans mes recherches et dans toutes les fois où j'écoute des rabbins apporter des enseignements sur la Torah, je suis là, je dis, mais allez, on franchit le pas. Tout ce que tu es en train de dire là, mais il y a la signification en Christ, tout est. Et puis ça s'arrête là. Alors on dit, ben alors pour avoir ça, le salut, pour avoir droit au Olam Haba, ah ben vous devez faire tant de mitzvot. Parce que si vous faites cette mitzvot là, alors ça compte double pour ça. Et en fait, ils sont voilés. On voit, on reconnaît le voile sur leurs yeux. Alors là, nous, on va se dire, oh, bah heureusement qu'on est des nations, parce que nous, on a reconnu Jésus, hein. Tant mieux, hein. On est vraiment des rois du pétrole, nous, hein. Et attendez, laissez-moi finir, parce que maintenant, on va s'occuper de nous. Donc ça, c'est pour Israël. Ils sont voilés à cause du péché. Mais qui a demandé à faire le veau? Les nations. Erev, Rav. Bien. Eh bien, on va s'occuper de nous maintenant. Que dit le texte? Agel Masera. Veau voilé, veau de fonte, alors c'est que votre œuvre s'est dénaturée et est devenue un métal vil. Très bien. Mais maintenant, ça c'est pour nous les nations. C'est une libation aux idoles. Enfin, une libation aux idoles, je ne vois pas de quoi tu parles, Philippe. Une libation aux idoles, on n'est pas en train de faire des libations aux idoles. Un jour, un rabbin, il n'était pas encore rabbin, il était juif. Et je vous ai raconté cette histoire-là. Il faisait la prière de Rosh Hashanah. Et dans la prière de Rosh Hashanah, il y a « Nous te bénissons pour Moïse, nous te bénissons pour Abraham, nos pères, Yitzhak, Jacob, et nous te bénissons pour Yeshua. » Puis lui, tous les ans, il faisait cette prière-là de Rosh Hashanah, « Nous te bénissons pour nos pères Abraham, Yitzhak et Jacob, nous te bénissons pour Moshe, Rabinou, c'est-à-dire Moïse, notre maître, et nous te bénissons pour Yeshua. » Puis un jour, Yeshua. Mais il dit, mais Yeshua, nous te bénissons pour quelqu'un qui a existé. Donc il va voir ses rabbins. Puis il dit, mais attendez, c'est quoi cette prière que l'on fait? Moi, je l'ai appris depuis mon enfance, tous les Rosh Hashanah. C'est quoi Yeshua? Et là, les rabbins le regardent et disent, tu as découvert notre secret. Nous savons que Yeshua est le Mashiach. Comment ça? Vous savez que mais il faut l'annoncer à tout le peuple. On ne peut pas. Il dit, on ne peut pas. Il dit, mais pourquoi vous ne pouvez? À cause de ce que les Occidentaux ont nous fait. À cause de ce que les Occidentaux en ont fait.
Sous-entendu, ils se sont fait un messie à leur image selon leur pensée. Ils en ont fait une idole. Ils en ont fait le fils de Dieu et on vénère la mère de Dieu. Et ce rabbin, ce juif là, il a dit, moi je ne suis pas d'accord. On doit l'annoncer à notre peuple. Et il est parti en Israël. Il a été s'installer dans le milieu du désert. Il a fait une yeshiva, c'est-à-dire une école, et une synagogue. Et sur le voile, il y a un voile qui recouvre le rouleau de la Torah. Toujours, il y a une petite armoire avec un voile dessus, souvent très, très joliment orné d'ailleurs. Et on ouvre, c'est toute une cérémonie pour prendre la Torah. Vous devez prendre ce qu'on appelle le Sefer Torah, le rouleau de la Torah, le porter du côté droit, faire des pas de danse avec et l'amener dans la Teva, c'est-à-dire sur l'estrade, pour pouvoir faire la lecture. Celui qui porte la Torah, c'est un grand honneur, ils viennent l'embrasser, parce qu'ils honorent la Torah, et quand il va vers la Teva, il monte à la Torah. Il y a tout, ça se fait pas, on prend un livre, on le pose, allez, on va lire la parole. Non, il y a toute une cérémonie, parce que la Torah, c'est quelque chose de précieux et de très, très sacré. Donc, ça ne se fait pas n'importe comment de prendre le livre. Et donc, sur le voile qui recouvre cette armoire-là, il avait carrément mis Yeshua HaMashiach. Donc, il annonçait la couleur. Et des juifs orthodoxes venaient le voir de nuit, ça nous rappelle Nicodème, pour savoir qu'est-ce que tu nous racontes là sur Yeshua. Alors, il y avait ceux qui étaient contre, hein. Et puis qui luttait contre lui. Alors il disait, moi je ne rentrerai pas dans les discussions, parce que voilà. Mais il y en avait beaucoup qui étaient très intéressants. Et beaucoup, beaucoup de rabbins croient en Yeshua. Seulement, il y a un drame. On avait parlé de ça il y a quelque temps. Nous avons occidentalisé le Christ. Nous avons paganisé le Messie. Nous en avons fait, c'est le petit Jésus. Le petit Jésus qui est tout gentil, tout mignon, tout mieux. Non, c'est le roi de gloire, c'est le roi d'Israël, c'est le Messie d'Israël. Non, Jésus était un juif, mais il a renié sa judaïté parce qu'en mourant sur la croix, il est devenu un Messie universel. Ça, c'est des pasteurs qui ont dit ça. Alors, mes frères, je veux bien, d'accord, montrez-moi le texte qui dit ça dans la Torah ou dans les évangiles. Que Jésus est devenu un Messie universel. Non, moi quand il va revenir pour délivrer Israël des attaques des nations, je l'ai déjà dit, il ne va pas revenir sur la butte Montmartre. Il ne va pas revenir sur les montagnes rocheuses d'Amérique. Il ne va pas revenir dans les steppes russes, pardon. Je fais attention maintenant parce que avec le conflit qu'il y a, on est vite catalogué. Donc on va faire attention. Je ne vais pas prendre parti, je ne vais pas avoir des pierres, qu'on me jette des pierres. Il ne va pas revenir au Danemark. Il va revenir où? Il va revenir sur la montagne des Oliviers. C'est en Israël. Et il va régner sur qui? Sur Israël. Et il va prendre le trône de qui? Je sais que je dérange les gens. De David, son père. Et du trône de David, son père, qui est à Jérusalem, qui est au temple qui sera reconstruit quand il va revenir, il va régner sur le monde entier. Mais ça sera en Israël. Parce qu'il est le Messie d'Israël. Il ne régnera pas aux Nations Unies. Alors ça dérange peut-être certaines personnes, mais ça, c'est un messie occidentalisé. Ça, c'est un veau d'or. Ça, c'est un messie fondu à notre image. C'est-à-dire qu'on a utilisé le sacrifice de Jésus pour en faire notre propre doctrine, notre propre idole, et nous avons avili son œuvre. Nous avons profané son œuvre parce que nous nous sommes fait un dieu. On a toujours envie d'être des nations. Ça calme tout d'un coup, parce qu'on dit « Ah, oh, Israël est voilé ». Ben nous, on est idolâtres. C'est pas mieux. Et quand vous prenez Éphraïm, qui est le tribu du Nord, le royaume du Nord, donc les 10 tribus d'Israël, dans le judaïsme, elles sont associées à cet Israël qui va être réuni, mais qui va être avec elle en son sein les nations. Donc la tribu d'Éphraïm est la tribu des nations.
qui est rajoutée à Israël pour être au bénéfice des promesses d'Israël. Oui, on y revient encore. Hein. Ce n'est pas la France, ni les États-Unis, ni le Royaume-Uni qui va diriger toute chose. C'est bien Israël, c'est lui qui a été choisi, pas nous. Nous, nous sommes rattachés aux promesses d'Israël. Eh bien, Jéroboam Ier, qui était un idolâtre, qui était le roi d'Israël, donc qui s'était séparé de Juda, qu'est-ce qu'il avait fait au sud, à Dan et à Bethel, au nord et au sud de son royaume? Il avait fait fondre deux veaux d'or. Deux veaux d'or, au sud et au nord de son royaume. Voilà notre Dieu. Et les nations disent, voilà Jésus-Christ, voilà celui que vous devez croire. C'est un Messie qui est à nous. Il a été retiré aux Juifs. Il est maintenant à nous et c'est à notre image que nous le faisons. Nous disons que Jésus, c'est comme ça qu'il est. Et puis non, il n'est pas juif. Maintenant, c'est un homme comme nous. Il est pour nous. Et donc, on a le droit de rejeter Israël. On a le droit de dire que Jésus, c'est un Messie universel. C'est une idolâtrie. Ça, c'est le veau d'or. Donc, vous avez Israël qui a péché en faisant le veau d'or, en acceptant que le veau d'or soit fait. Et Aaron l'a fait, et donc ses yeux ont été voilés, son cœur a été voilé concernant l'Éternel. Et les nations qui ont participé et ont demandé à ce que le veau d'or soit fait, eh bien eux ont fait une libation à Apis, aux idoles. C'est-à-dire qu'on a utilisé l'œuvre de Dieu pour en faire une idolâtrie. Nous avons notre Dieu qui est le Fils du Créateur et qui a pour mère la mère de Dieu. Pas besoin d'aller plus loin, vous avez tout compris. Hein. Maintenant, on va finir avec un autre passage, on va quitter le veau d'or. Donc vous voyez que le veau d'or, c'est ramener dans le peuple de Dieu ce qui vient de l'Égypte. Ce qui vient de l'Égypte. Qui est une des entités de la Babylone, de la grande Babylone, d'accord? Égypte et Pharaon, Nimrod, même combat, j'ai envie de dire. Donc là, le veau d'or, c'est l'expression de ce que l'on a fait en Égypte en faisant des briques. Maintenant, on va lire un autre passage dans Josué, au chapitre 7, et on va lire à partir du verset 19. Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Déclare-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache pas. » Akan répondit à Josué, « C'est vrai. C'est moi qui ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici en détail ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un manteau de chinéar d'une rare beauté, ainsi que 200 sicles d'argent et un lingot d'or, pesant à lui seul 50 sicles. J'en ai eu envie et je les ai pris. Ils sont maintenant cachés en terre, à l'intérieur de ma tente, l'argent par-dessous. » Josué envoyait des gens qui coururent à la tente, c'était bien caché dans sa tente, l'argent par-dessous. Ils enlevèrent le tout de l'intérieur de la tente et l'apportèrent à Josué et à tous les Israélites, et les versèrent devant l'Éternel. Josué prit Akan, fils de Zéra, ainsi que l'argent, le manteau et le lingot, ses fils, ses filles, ses bœufs, ses ânes, son petit bétail, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Tout Israël se mit avec Josué et ils les firent monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, « Combien tu nous as rendu exécrables ! L'Éternel te rend exécrable en ce jour. » Tout Israël lui jeta des pierres, on les brûla et on les lapida. On dressa sur lui le grand tas de pierres toujours existants et l'Éternel revint de son ardente colère. C'est ainsi que cet endroit porte jusqu'à aujourd'hui le nom de la vallée d'Akor. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet événement-là ? Bataille de Jéricho. L'Éternel a dit, vous vouerez par interdit toute la population, vous détruirez toute bataille, tout, vous ne garderez rien, vous brûlerez tout parce que c'est l'iniquité, c'est les pays cananéens. C'est-à-dire que là, ils ont mis le comble à leur péché, c'est la destruction. Vous pourrez juste garder l'argent, l'or, le fer et le bronze, que vous mettrez dans le trésor du temple. Donc c'était les choses qu'ils avaient le droit de garder pour le trésor du temple. Alors on se dit, bon, Akan, voilà, il a vu de l'or, il a vu de l'argent, il dit, moi je le prends pour moi, ni vu ni connu, je t'embrouille,
Après tout, c'est pas un si grand péché que ça, quand même. Bon, évidemment, il n'a pas versé au trésor du temple. Alors ça, c'est pas bien. Mais de là à le lapider, le brûler et faire un monceau de pierre dessus pour qu'on se rappelle du péché d'Akan, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond derrière tout ça. Pourquoi un tel jugement? Pourquoi une telle exécution de jugement? Ça paraît étonnant. Alors évidemment, il a pris un manteau. Tout devait être détruit par le feu. Le manteau, il l'a pris aussi. Mais alors, est-ce que ça justifie un manteau? Est-ce que ça justifie que l'on le lapide de cette manière-là? Bien. Israël avait avec eux le Mishkan, c'est-à-dire le tabernacle. Quels étaient les fondements du tabernacle? Les fondations du tabernacle. C'était des socles d'argent. Et tout l'intérieur du tabernacle était recouvert d'or. Et au-dessus du tabernacle, il y avait quatre couvertures faites de peaux de blaireau, de peaux de chèvre, de peaux de bouc, pour démontrer ce que le Mishkan est une représentation du Messie, et donc c'était pour démontrer l'humilité du Messie dans la chair, alors qu'il portait en son sein tous les trésors de l'œuvre de Dieu. L'argent, c'était le rachat. Donc, l'œuvre du Christ a pour fondement le rachat de nos péchés. Ensuite, toute l'œuvre d'obéissance qu'il a accomplie, c'est l'or, c'est l'œuvre de Dieu. Et il était voilé à ceux, aux sages et aux intelligents, par ces fameuses peaux qui n'avaient pas de valeur particulière. C'était notre chair, le corps qu'il avait. Bien. Donc, c'était le tabernacle, c'était le temple, c'était le temple de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait à Cana? Il a fait comme en Égypte. Il a pris de l'or, de l'argent. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Eh bien, il a reproduit Babylone. Vous avez trouvé bizarre. Vous avez noté? J'ai mis l'or, le manteau et l'argent en dessous. Et une deuxième fois, le texte nous dit, et les serviteurs virent le butin et l'argent en dessous. Deux fois. Quand vous avez une expression comme ça deux fois dans la Torah, moi j'ai commencé à voir mes antennes qui ressortent. Mais comment ça se fait? Pourquoi l'argent en dessous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akan faisait pour lui-même son propre Mishkan, son propre tabernacle, avec, comment dire, toutes les apparences du véritable tabernacle, toutes les apparences de la véritable religion, j'ai envie de dire, du véritable christianisme en Jésus-Christ. C'est le rachat. Regardez, j'ai de l'argent en dessous. Et puis c'est l'or qui est dessus. Mais c'est quoi les peaux qu'il recouvert? C'est le manteau de Shinéar. Manteau de Shinéar. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, Shinéar? Où est-ce qu'a été bâtie la tour de Babel? Dans la vallée de Shinéar. Et qu'est-ce que ça voulait dire, en fait? Où est-ce qu'ils l'ont trouvé? Dans le milieu de la tente d'Akan, mais enterré. Ah bon, c'est important que ça soit enterré? Mais évidemment que c'est important que ça soit enterré. Il aurait pu le mettre sous d'autres pots, caché dans sa tente, il aurait pu le cacher ailleurs. Non, il l'a enterré au milieu de sa tente. Il a refait Babylone pour sa propre vie, et ainsi il est devenu exécrable aux yeux de l'Éternel, parce qu'il a introduit dans le peuple de Dieu un culte idolâtre qui ressemblait au culte de l'Éternel, mais qui était une œuvre de Babylone, Shinéar, et qui était placée dans la nourriture du serpent, enterré. Il était mis dans une terre maudite. Il était mis dans de l'argile. Il était enterré. Il était enterré dans la nourriture du serpent. Et en le mettant comme ça, il couvrait cette réalité-là. Il disait, ah non, moi je suis toujours un chrétien. Moi je suis toujours un chrétien. Je crois en Jésus. Je crois en ce Jésus-là. Moi je crois en Dieu, mais je crois en ce Dieu-là. Qu'est-ce qu'il a fait à Akan? Il a reproduit la tour de Babel en passant par le veau d'or pour l'introduire dans sa propre maison, en disant « Je le cache, mais je vais vivre selon ses ordonnances. »
Et je vais donc gangréner le peuple par ça. Parce qu'il ne faut pas rêver. Quand on commence à faire une religion, ou du moins quand on commence à être dans l'idolâtrie, on en parle aux autres. Mais tu crois, tu sais la parole qui dit ça? T'en es sûr? Moi, je ne le comprends pas comme ça. Dieu a-t-il réellement dit? Vous n'entendez pas le sifflement du serpent là? Dieu a-t-il réellement dit? Non, moi je pense qu'on peut interpréter la parole différemment. Honnêtement. Dire qu'on peut pas. On peut pas divorcer, que l'homosexualité, l'essentiel, c'est qu'on s'aime. Hein. Dieu est amour. Dieu est amour. Vous ne pouvez pas me nier ça. Comment pourrait-il condamner le pécheur? Ben non, puisqu'il est amour, il ne condamnera pas. Puisqu'il est amour, puis on commence un peu à dévier, on se commence à se faire une idée de Dieu, on commence à se façonner notre petit veau, là, il va être tout mignon, tout joli. Puis après, on va faire un autel, et puis on va sacrifier. Nous allons avoir notre Agel Masecha, notre libation à notre idole. Et puis ça va être bien enterré dans quoi? Dans la nourriture du serpent. Parce qu'en fin de compte, on va adorer le serpent. Voilà le danger du peuple de Dieu aujourd'hui. Le retour à Babylone, quand on parlait de ça la dernière fois, retourner à Babylone quand on veut faire une religion à notre pensée, quand on refuse que Dieu agisse pour se révéler à nous tel qu'il est, par sa parole, et que nous obéissions à ses commandements de manière à vivre selon sa vie, à vivre selon ses ordonnances. Eh bien, quand on commence à dévier, on commence à aller vers Babylone. Et quand on va vers Babylone, on va automatiquement se faire un veau d'or. Et si on se fait un veau d'or, c'est qu'on va prendre de l'or, c'est qu'on va prendre de l'argent. On va faire comme si c'était une religion vraiment selon le cœur de Dieu, mais ça sera Shinéar qui recouvrira cette œuvre-là. Et cette œuvre-là sera une libation pour le serpent. C'est la raison pour laquelle Akan a été si sévèrement puni, si sévèrement jugé, et que la sentence a été aussi dure. C'est parce qu'il réintroduisait le culte de Babylone, le culte de l'Égypte, le culte caché du serpent ancien au sein même du peuple d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle, quand Israël a été lutté contre Haï, la toute petite ville de Haï, où les espions sont allés, parce que Josué a envoyé des espions, ils ont dit, attendez, c'est pas la peine que toute l'armée y aille, c'est une toute petite ville, il y a une toute petite garnison, on envoie une partie de l'armée, ça suffira, l'Éternel est avec nous. Et ils prennent une dégelée. Et ils comprennent pas pourquoi. Et l'Éternel dit, parce qu'Israël a péché contre moi, je ne suis pas devant vous dans les combats. Josué a déchiré ses vêtements, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Akan, fils de Zébra, il a profané mon nom. Comment ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors Josué a été voir Akan, et là, nous avons lu le passage. Qu'as-tu fait, mon fils? Qu'as-tu fait, mon enfant? Qu'est-ce qu'il y a eu? Bah oui, c'est vrai, voilà, j'ai plus de l'or, j'ai plus de l'argent. Mais enfin, compte, c'est de l'or et de l'argent. Tu vas pas en faire un fromage, Josué, d'accord, ok. C'est de l'or et de l'argent, mais c'est chrétien, ça. Je suis parti d'Israël entièrement. C'est de l'or et de l'argent. D'ailleurs, l'Éternel avait dit qu'on pouvait le garder. Alors, mais le manteau de Shinéar. Et pourquoi l'as tu enterré? Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Ben, moi, je voulais faire ma petite religion à moi parce que... Et je savais que je serais pas compris, qu'on serait pas d'accord avec moi. Mais tous ceux qui seront d'accord avec moi, je vais répandre ça. Eh bien non, tu vas pas le répandre. Parce que maintenant, le jugement de Dieu tombe sur toi. Et sur toute ta famille. Et sur tous tes biens. Vous savez que quand on va dans l'idolâtrie, et là c'est solennel ce que je suis en train de dire pour de nombreux chrétiens et de nombreuses églises, quand on veut mettre le doigt dans l'idolâtrie, en faisant un Dieu à notre image, en faisant une œuvre de Christ à notre image selon nos cœurs, nous faisons le même péché qu'Akan. Nous amenons l'interdit au milieu du peuple de Dieu. Et il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est se repentir et demander à ce que le Seigneur se révèle à nous, tel qu'il est, pas comme nous voulons qu'il soit. Parce que ça, c'est manger du pain de Babylone. Ça, c'est manger du pain d'Égypte, c'est de la viande d'Égypte. Et ça, c'est se faire un veau d'or. Et le veau d'or produit trois choses. Il avilit l'œuvre de Dieu pour nous. Ça devient de l'or, un métal impur et sans valeur. Ça voile le cœur pour qu'on ne puisse plus comprendre qui est Dieu, et c'est une libation aux idoles. Et ça, c'est une abomination aux yeux de Dieu. L'idolâtrie n'est pas une petite chose. L'idolâtrie est exactement la même chose que la sorcellerie. Parce qu'on va adorer des démons. Et c'est ça. Aujourd'hui, quand nous voulons interpréter la parole de Dieu selon nos pensées et selon nos cœurs, si nous profanons l'œuvre de Dieu, nous profanons le nom de Dieu et nous faisons une idole
avec un métal vil, qui devient un métal vil, et nous disons, voici l'Éternel qui nous a sauvés. Ce n'est pas vrai. Nous sommes des menteurs. Donc nous sommes des enfants du serpent. Est-ce que nous voulons poursuivre dans cette attitude-là? Ou est-ce que nous voulons faire partie de la tribu de Lévi qui dit, je n'accepte pas que l'on fasse un veau d'or. Moi, j'attends que l'Éternel se révèle à nous. Et quand Moïse va venir avec la loi, nous allons être unis à Dieu parce que Dieu va se révéler à nous et nous allons pouvoir ainsi le connaître. Soit nous sommes Lévi, soit nous sommes le reste du peuple qui disent, voici l'Éternel que l'on s'est fait, maintenant réjouissons-nous, réjouissons-nous. Et quand il est dit dans la Bible, ils se levèrent pour se réjouir, le mot hébreu est très particulier, parce que c'est le même mot quand Ishmaël s'est moqué d'Isaac. Vous savez, il est dit que Ishmaël se moqua d'Isaac. Et c'est comme ça que Sarah a dit à Abraham, je veux que tu éloignes Ishmaël d'Isaac parce qu'il va lui faire mal. Pourquoi? Parce que c'est véritablement ça. C'est le même mot qui veut dire se moquer ou... Il y a une connotation de déviance sexuelle dans ce mot-là. C'est-à-dire que quand ils se levèrent pour se réjouir, l'idolâtrie amène toujours l'immoralité. C'est une loi spirituelle. Eh bien, ils se levèrent dans l'immoralité sexuelle. C'est ça qu'ils se réjouirent. C'est pas simplement danser autour du feu en disant « Béni soit le Seigneur ». Non, 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 non. Il y a eu vraiment une orgie, quoi. Et quand Ishmaël a fait ça, il est dit qu'Ishmaël était l'enfant de l'arc. Et à un moment, en jouant, il a voulu tuer Isaac avec une flèche et il se moqua de lui, c'est-à-dire qu'il a voulu avoir des relations avec Isaac qui étaient impropres. Vous voyez un peu? Donc c'est ça que le texte est en train de nous dire. Aujourd'hui, nous remarquons que Israël, les Juifs ont un voile sur le cœur concernant le Messie et l'Éternel. Mais et on est obligé aussi de constater que le Messie occidental, qui nie la judaïté du Messie, qui nie le fait qu'il est le roi d'Israël, qui lui prête des idées et des pensées, qui lui prête des doctrines, et pour ce qui est d'une branche du christianisme, c'est-à-dire le catholicisme, qui va vénérer la mère de Dieu, eh bien nous voyons que nous avons fait une idole. Nous avons profané son nom, nous avons profané son œuvre et nous en avons fait une idole. Nous avons paganisé le Christ. Eh bien aujourd'hui, tout comme les Juifs doivent ouvrir les yeux sur Israël, sur le Messie, les choses que beaucoup de Juifs font et deviennent les Juifs messianiques, eh bien nous, à notre niveau, en tant que nation, nous devons ouvrir les yeux sur nos déviances, ouvrir les yeux sur notre paganisme, ouvrir les yeux sur notre idolâtrie et la rejeter de tout notre cœur, de toute notre force, de manière à vouloir apprendre qui est Dieu par sa révélation, par son esprit, et savoir qui est le Christ. Parce que si nous continuons à être idolâtres, eh bien nous amenons le jugement sur nous et sur le christianisme. Et ça, nous en sommes responsables. Alors, la balle est dans notre camp, nous avons à choisir, soit Lévi, soit le reste du peuple. De notre décision dépendra ce qui nous arrivera. Que le Seigneur vous bénisse.